Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce dimanche, les échos du séjour du président de la République en Haute-Guinée. Dans cette édition, nous vous proposons l'étape de la préfecture de Siguiri. Reprise immédiate du projet Simandou, un protocole d'accord a été signé entre le gouvernement guinéen et les partenaires financiers intervenant dans ce projet. Ça y est, c'est connu, le champion de Guinée Ligue 1 est le Oroya Athletic Club. L'équipe a battu cet après-midi le FC Baté Nafagi sur le score de 4-1. Encore une fois, bienvenue à tous. En déplacement, le président de la République s'est rendu dans la préfecture de Siguiri. Au cours du meeting qui s'est tenu à la place des martyrs de la ville, les Siguirinkas ont exprimé leur soutien aux idéaux du changement du professeur Alpha Condé. Compte rendu, Sanassi Keita, Doudou Traoré. Véritable fief du RPG arc-en-ciel. Cette ville accueille ces jours, 16 août 2013, le président de la République. Une foule compacte acquise à la cause du professeur président Alpha Condé. L'engouement et la mobilisation sont des tailles, ici à la place des martyrs de la ville de Siguiri. Ils sont tous là, ces citoyennes et citoyens de Siguiri, pour davantage témoigner de leur engagement indéfectible aux idéaux du chef de l'État. Urbaine de Siguiri transmet ainsi au président de la République les messages de soutien de sa population en effervescence en ces termes. Excellence, Monsieur le Président de la République, la commune qui a laissé honneur de vous recevoir à ce jour historique du vendredi 7 août 2013 à une population estimée à 121 418 habitants. Repartie en 8 quartiers et 14 districts. Cette population, mes chers, de vous rassurer, une fois encore, de sa détermination et de son engagement indéfectible à vous accompagner dans la réalisation de votre noble et vaste programme de société pour le bonheur et le devenir radio du peuple de Guinée. Le président de la République a remercié les populations de Siguiri pour le soutien qu'elles ne cessent de lui apporter dans sa vision de faire de la Guinée une nation émergente. Professeur Alpha Condé a par ailleurs appelé ce beau monde à l'union et à l'entente pour maintenir toujours la paix et la stabilité en Guinée. Vive les sœurs,
Toujours dans le pays profond, Mamou, à 275 km de Conakry, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, Jeunesse et des Sports a échangé avec les principaux cadres de la région. Objectif, trouver des voies pour redynamiser l'administration de Mamou. Sanassi Bantamassou s'est également entretenu avec les femmes des 7 marchés de la ville Carrefour, sous les traces du ministre Habib Thiam. 1000 milliards de francs guinéens, c'est la perte accumulée par l'État suite aux différentes marches de l'opposition. Tels sont les propos introductifs du ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, Jeunes et des Sports au cours de cette rencontre qu'il a initiée à l'intention des cadres des différentes structures administratives de Mamou. Le parrain de la région a dénoncé, je cite, la timidité des autorités quant au traitement des individus qui profitent des marches de l'opposition pour troubler l'ordre public à Pétel, un des quartiers de la région. Sanoussi Bantamassou s'est en outre félicité des prouesses du directeur préfectoral de la santé de Mamou et appelé les autres cadres à s'inspirer de son action. Autre sujet brûlant, les préparatifs de la campagne législative. Confiant de la victoire du RPG arc-en-ciel au prochain scrutin, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, Jeunes et des Sports a invité les responsables des différents services administratifs à préparer le bilan de leur activité pour mieux démontrer les acquis du gouvernement dans la région durant la campagne électorale. Les principaux cadres ont quant à eux exprimé leurs attentes sur le fonctionnement de leurs services avant de réitérer tout leur soutien au gouvernement, en particulier pour les législatives du 24 septembre. Peu après son entretien avec ses cadres, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, Jeunes et des Sports a rencontré les femmes représentantes de sept marchés de Mamou. Ces dernières ont exprimé leur inquiétude sur le mode de répartition du fonds de microcrédit alloué aux jeunes et aux femmes. Un fonds dont les fonctionnaires de la région sont les principaux bénéficiaires selon les groupements. Surpris par la nouvelle, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi, Jeunes et des Sports promet de rectifier le tir. Autre titre du jour, signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement guinéen et les partenaires financiers intervenant dans le projet Simandou. Le protocole porte sur la reprise immédiate de toutes les activités du projet Simandou, dont l'exécution est confiée au géant minier Rio Tinto. Un accord négocié par le ministre d'État en charge des Finances et le ministre des Mines, conjointement avec nos partenaires au développement. Boubacar Ba, Abdul Karim Kondi. Cette signature prépare la reprise des activités du géant minier Rio Tinto en Guinée avec le projet Simandou. La lettre d'intention entre le gouvernement et les partenaires porte sur la mise en œuvre du projet en vue d'aboutir au cadre d'investissement sur le Simandou. La Guinée attend beaucoup de la réalisation de ce projet minier de classe mondiale. Le cadre d'investissement sera mis en place très rapidement et ceci donne un environnement pour redémarrer les travaux. Les investisseurs vont apporter le financement. Il s'agit de ce que nous qualifions de méga projet, puisque le projet lui-même va coûter 20 milliards de dollars, ce qui, si on le rapporte à notre produit intérieur brut, ça fait au moins 3,5 le PIB. L'espoir renaît avec le protocole d'entente entre le directeur général de Rio Tinto, le vice-président de Chalco, les représentants de la Société financière internationale et du gouvernement guinéen. Aujourd'hui, je suis très fier du résultat auquel on est arrivé. Et plus important encore, je viens faire de la camaraderie en fait qui s'est installée entre les membres du groupe. À Conakry, les partis réaffirment leur engagement à réaliser au plus vite les travaux d'aménagement liés à l'extraction du riche minerai de fer des blocs 3 et 4 du Simandou. Mais avant, un cadre d'investissement devra définir les conditions et le calendrier d'exécution détaillé du projet. Dossier éducation, cérémonie de remise de diplôme ce matin aux étudiants de la troisième promotion session 2013 de l'Institut de formation professionnelle Alvago. René Bus est le nom donné à cette promotion. Alia Camara, Marcel Massadounou. Ils sont 24 étudiants à bénéficier de cette formation professionnelle en matière de banque et assurance. Au terme de 9 mois de cours théoriques, 3 mois de stage pratique leur ont été accordés, soit au total une durée d'un an de formation. Une façon pour eux d'être plus efficaces désormais dans la gestion des entreprises. Dans cette ambiance de stress et de compétition, de travail et d'effort qu'a été notre formation, Monsieur le ministre de tutelle, chers futurs employeurs, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, qu'au cours de cette année écoulée,
nous avons été véritablement formés au métier de banquier et d'assureur. Nous avons hâte de mettre cette connaissance au profit de vos différentes entreprises. En effet, cette formation nous aura inculqué trois valeurs essentielles: dynamisme, compétence et motivation. Nous avons tous un minimum de licence et après cela, nous sortons aujourd'hui avec un diplôme d'études professionnelles en banque et assurance. Les parents d'étudiants et encadreurs ont exprimé leur satisfaction par rapport à la qualité de formation et surtout le bilan des résultats obtenus ces derniers temps. Et la particularité de cette année, d'abord il y a le nombre d'étudiants. En plus du nombre d'étudiants, tous les intervenants étaient des professionnels dans le domaine des banques et assurances. Et le coût était vraiment des coûts très proches de la réalité professionnelle. Quelques stages de formation ont été accordés à cette nouvelle promotion par des banques et services d'assurance du pays. Ces diplômés sont désormais sur le marché de l'emploi. Ils espèrent bénéficier d'appui de la part des privés. Et puis, 60 étudiants guinéens représenteront cette année la Guinée au Niger. Ces étudiants du cercle scientifique stomato-pharmacie vont défendre le tricolore national à la 13e conférence scientifique culturelle et sportive, une activité du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. La cérémonie de départ a eu lieu à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en présence des autorités, parents et amis. Mamadi Gassama, reportage. Cette remise de drapeau marque le départ des étudiants du cercle scientifique stomato-pharmacie-médecine pour le Niger. Au nombre de 60, ces étudiants vont défendre le tricolore guinéen à la 13e conférence scientifique, culturelle et sportive du REMAO, réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 4 thèmes à débattre. Il s'agit des traumatismes crânio-encéphaliques liés aux accidents de la voie publique en Afrique subsaharienne. Et l'infection à VIH, critère d'appréciation odontologique, et les fistules obstétricales et la contraception en Afrique subsaharienne. Le conseil que j'ai à leur donner, c'est qu'ils ne doivent pas perdre de vue que là où ils vont représenter la Guinée, représenter l'université de Conakry. Donc notre comportement doit refléter cela. Gissé Fatoumata, étudiante en 6e année médecine, est à sa 2e participation. Elle promet de revenir au pays avec un prix. J'espère, je ferai tout de mon mieux, je ferai de mon mieux pour ramener le premier prix. La conférence s'étendra du 21 au 31 août 2013. L'on se rappelle, l'année dernière, la Guinée avait raflé 4 prix de meilleure communication. Toute chose qui lui a permis de se repositionner au sein de cette structure estudiantine. Plus loin, à 797 km de la capitale, se trouve la préfecture de Massanta, où les femmes se mobilisent pour soutenir les idéaux de changement du président de la République. Elles ont récemment magnifié cette adhésion à travers une cérémonie de réjouissance placée sous la présidence du mouvement Ndimbore, compte rendu à Larine Baïdova. Ces femmes ressortissantes de Massanta à Conakry, réunies en association sous la couverture du mouvement Ndimbore, décident de soutenir les actions du gouvernement à travers leur réseau. Cette mobilisation en est une parfaite illustration. Tout ce que le président Alpha Condé est en train de faire, il est en train de faire pour les femmes et la jeunesse. Très émus de cette rencontre, les cadres du mouvement Ndimbore ont réaffirmé leur volonté d'unir tous les fils du pays, notamment les femmes, baromètres de la société. Ils ont aussi expliqué à l'auditoire les efforts de l'État dans le secteur énergétique pour résoudre l'épineux problème d'électricité. Je vous dis et je persiste ici que la seule voie pour donner le courant à la Guinée, c'est la voie du professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé a pris un pays qui était en déshérence. Sous la désespérance, avait fait le droit de cité en Guinée. Aujourd'hui, grâce à ses efforts louables, gigantesques, colossaux, la Guinée a renoué avec les partenaires techniques financiers. La confiance est revenue. Aujourd'hui, il est à reconnaître que la Guinée manque d'infrastructures de base. C'est pourquoi le mouvement Ndimbore appelle ces femmes à resserrer les rangs et à apporter leur soutien aux actions du chef de l'État. Déjà, cette association a fait une enveloppe symbolique pour accompagner le RPG arc-en-ciel aux prochaines échéances électorales.
de la Guinée forestière cap sur la Guinée maritime avec ce don octroyé aux populations de Forcaria par un fils ressortissant de la localité. Il s'agit de 2100 chaises en plastique, un geste hautement apprécié par les Morianais, bénéficiaires du don. Yaya Silla, compte rendu. Ce sont des fils ressortissants de Forcaria qui se mobilisent en faveur de leur localité. Parmi eux, Morba Sankon, directeur général du port autonome de Conakry, qui apporte 2100 chaises en plastique pour les différentes sous-préfectures de Forcaria. Une première dans le Moria. Les sous-préfectures de Gbenti, Moussaya, Alassoya, Farmoria et Penna reconnaissent les multiples efforts fournis par les fils ressortissants de leur préfecture depuis l'avènement de la Troisième République. La Troisième République n'est qui? Nous sommes contents, grâce à ce gouvernement de la Troisième République, que nous avons bénéficié de ce bâtiment avec un don de 340 tôles. Les gestes de bonne volonté et de soutien à la population de Moria se poursuivront selon les donateurs. Santé à présent, maladie épidémique d'origine virale, la conjonctivite sévit notamment en période d'hivernage. Depuis quelque temps, cette pathologie affecte de nombreuses familles en Guinée, notamment dans la capitale Conakry. Pour plus d'informations sur cette épidémie, suivez ce dossier grand format avec notre reporter Souté Keïda. Au nombre des problèmes de santé publique en cette période de grande pluie figure l'épidémie de la conjonctivite. Une pathologie couramment appelée Apollo, apparue dans les années 1970 au Ghana et au Nigeria. Cette forme de conjonctivite est appelée Apollo parce que dans les années 70, précisément en 1969, lors de la lancée du fusée Apollo, la navette spatiale américaine, et dans l'imagination populaire, les gens ont pensé que c'était une punition céleste, c'était une punition d'Allah parce que les hommes venaient de fouler le sol lunaire. C'est ainsi que Dieu avait envoyé, c'était leur imagination, avait envoyé sur terre cette maladie. Et depuis lors, on a collé le nom de cette navette à la maladie conjonctivite. Aujourd'hui, tout le monde appelle Apollo. Les symptômes les plus fréquents de la conjonctivite sont la rougeur des yeux, les démangeaisons et sécrétions oculaires. Elle est certes limitée dans le temps, mais accompagnée de douleurs intenses. Cette maladie m'a eu, j'étais couché, maintenant lorsque je dormais, mes yeux me piquaient. On dirait que c'est le sable qui est rentré dans mes yeux. Maintenant, le matin, j'ai vu mes yeux sont rouges. Dès que j'ai vu, j'ai pris du diamant, j'ai nettoyé mes yeux avec du diamant. Tout a commencé par mon œil gauche, puis les deux yeux ont été atteints et aujourd'hui je vois à peine. Les structures appropriées de soins ophtalmologiques sont ainsi prises d'assaut par des patients venus se faire soigner, mais aussi s'informer sur cette maladie d'origine virale, bactérienne ou encore allergique. Au-delà des soins reçus par les malades, les mesures d'hygiène demeurent les moins privilégiées pour réduire la propagation de l'épidémie. La maladie est d'abord virale, c'est un virus qui est responsable, qu'on appelle enterovirus E70. Ce virus, et une fois dans l'œil, se transmet très généralement de façon directe. Les contacts directs transmettent la maladie, c'est-à-dire d'une personne malade à une personne saine. Ce qu'il faut aussi ajouter, les cabinets d'ophtalmologie, lorsque les règles élémentaires d'hygiène ne sont pas respectées, les cabinets d'ophtalmologie peuvent être aussi le lieu de transmission de la maladie. C'est-à-dire si on passe d'un malade à un autre, qui souffre d'une conjonctivite Apollo sans se laver les mains, on peut transmettre cette maladie au prochain patient. Lorsqu'il y a une conjonctivite Apollo, il faut donner les antiseptiques, il faut se laver les mains avant l'utilisation et après l'utilisation des produits, bien sûr. Il faut éviter le contact afin de réduire ou de limiter la propagation de la maladie dans la communauté. Et il faut consulter un service d'ophtalmologie qui est apte à prescrire les médicaments qu'il faut.
La particularité de l'épidémie de la conjonctivite est qu'elle évolue à un rythme accéléré. Cette année, elle touche une famille sur trois dans la capitale Conakry. L'actualité en dehors de nos frontières, d'abord des élections présidentielles au Madagascar, la Cour électorale exclut la participation de trois candidats. C'est le premier élément de l'Afrique en bref traité sous forme de télégramme. Nouvelle étape vers l'organisation d'une élection présidentielle reconnue par la communauté internationale avec le retrait par la Cour électorale malgache de trois candidatures dites illégales. Dans une version révisée de la liste des candidatures, les noms de Andre Rajoelina, actuellement en charge de la transition, qui avait déposé sa candidature hors délai. L'amiral Didier Ratsirak, ancien homme fort qui présida le pays plusieurs décennies, et Lalao Ravalomanan, l'épouse du président destitué pour cause de non-résidence à Madagascar 6 mois avant la date du scrutin. Un scrutin repoussé une nouvelle fois, aucune date n'est fixée. L'île attend depuis 4 ans cette élection présidentielle pour sortir de la crise politique. Dans le cadre de la journée culturelle et sportive Nelson Mandela, un homme, une nation, une célébration, les équipes nationales sud-africaines de football et de rugby ont joué l'une après l'autre au Soccer City de Soweto. La journée s'est terminée par un concert de Salif Keïta pour recueillir des fonds au profit d'un hôpital pour enfants. Razzia des médailles pour les athlètes africains à Moscou, le Kenyan Abdel Kiprop est devenu le champion du monde du 1500 mètres. Sa compatriote Eunice Sem a remporté le titre mondial du 800 mètres dames. La veille, à 200 mètres de l'arrivée, la double championne olympique, l'éthiopienne Meseret Defar, a imposé sa pointe de vitesse pour remporter le 5000 mètres en 14 minutes 50 secondes devant la Kenyane Mercy Cherono et sa compatriote Almaz Ayana samedi soir à Moscou. L'Ougandais Stephen Kiprotich, le champion olympique 2012, est devenu le champion du monde du marathon, son premier titre mondial dans la discipline. Il a devancé les deux Éthiopiens, Desisa et Tola, en 2h09 minutes et 9 secondes. Il a fait craquer tous ses adversaires. L'Ougandais a savouré sa victoire en saluant la foule drapée dans les couleurs de son pays. Par ailleurs, la Chine a été secouée ces derniers temps par de violentes inondations causant la mort d'au moins 37 personnes et l'évacuation de 250 000 autres. Premier élément des informations à l'international. La Chine, touchée par de violentes inondations, au moins 37 personnes ont trouvé la mort ces derniers jours. Les trombes d'eau ont détruit des installations électriques et ravagé de nombreuses récoltes. Elles ont aussi envahi les maisons. Près de 250 000 Chinois ont dû être évacués. Certains habitants sont relogés dans des campements de fortune en attendant de réintégrer leur demeure. En Irak, un camion piégé a explosé dans les environs de Bassora samedi. La bombe était dissimulée sur les quais du port d'Oum Qasr, l'un des plus importants du pays. 4 personnes ont été blessées, mais les activités du port n'ont pas été affectées. La même journée, des attaques à main armée ont causé la mort d'une douzaine de militaires et de soldats à travers le pays. Aux États-Unis, de violents incendies ravagent les forêts de l'Idaho, à l'ouest du pays. Samedi, les autorités ont procédé à l'évacuation de plusieurs centaines d'habitants dont les maisons étaient menacées par les flammes. Malgré le déploiement de plus de 1600 hommes, les pompiers américains peinent à contrôler l'avancée du feu. Plus de 37 000 hectares ont déjà été détruits. 16 ans après, la mort de Diana suscite toujours des interrogations. La police britannique a annoncé hier qu'elle a obtenu de nouveaux éléments sur l'accident qui a coûté la vie à Lady Di et Dodi Al-Fayed. Selon une télévision britannique, ces informations soulèvent l'hypothèse d'une implication des services militaires britanniques. Scotland Yard affirme qu'elle étudie la pertinence de ces éléments, mais qu'il n'est pas question de rouvrir l'enquête. Un petit mot de sport avant de vous quitter. C'est connu, le Orea Athletic Club est sacré champion de Guinée. C'est son 3e d'affilée. Les poulains de l'Api Bangoura ont battu cet après-midi même le FC Baté Nafagi sous le score de 4-1. Le match s'inscrit au compte de la 22e et dernière journée de la Ligue 1 Rio Tinto. Kadir Traoré revient sur les temps forts de la rencontre. C'est dans lui-même. En battant ce soir, l'Aïté Baté Nafagi par un lourd score 4-1. Alors que de l'autre côté, le Satellite FC, son concurrent direct, était tenu en échec par l'Atlético de Coléa. 0-0. Aujourd'hui, on était venu, c'était pour contrer l'Orea, mais Dieu n'a pas voulu. Ils étaient en place. Sentiment de satisfaction, récompense d'un homme qu'on appelle Antonio Soare, qui a eu confiance à Kanfori Lapé Bagoura. Les joueurs
ont été intelligents, courageux, patients et ils ont fait la différence. C'est une satisfaction pour tout le football guinéen. Et aujourd'hui, je commence d'abord à féliciter notre adversaire direct qui est le satellite. Vous savez, comme je le disais, il faut toujours avoir du respect pour son prochain. C'était pas facile. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a pu remonter les 5 points et nous sommes champions 9 points en prenant 9 points en 3 matchs. Ce sacre du Oraya Athletic Club démontre encore une fois que le football a besoin de grands moyens. Une fois l'investissement financier, matériel et humain fait, les résultats n'attendent point. Bon vent donc à notre porte-flambeau pour la Ligue des Champions. Fini cette édition. Grand merci à vous pour votre fidélité. Plaisir a été pour moi de vous servir durant ce week-end. Bon début de semaine à tous.